Mardi 11 septembre 2018, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le téléjournal Lansou TNH, main grand titio. Ouassoya. Président républicain Jovenel Moïse, convoqué pour mercredi 12 septembre, co-législatif à l'extraordinaire, pour pencher sur ratification, déclaration politique générale, Premier ministre nommé Jean-Henri Séan. Députés et sénateurs réunis en Assemblée nationale hier lundi 10 septembre pour clôturer deuxième session ordinaire année législative. Habitants dans la zone Kankok Aklimbe dans la région Nord-Pays exprimé contentement yo par rapport à travail qu'a réalisé dans le cadre caravane changement. Dans le cadre d'efforts pour mettre en place secondaire rénové, responsable ministère éducation nationale et formation professionnelle yo annoncé yon ensemble dispositions pour épreuve anticipée dans secondaire 3 et épreuve obligatoire pour examen fin études secondaire. Yo. Dans l'actualité en sous-plan international, jeudi 11 septembre, en fait 17 l'année depuis un gros attaque terroriste t'a frappé pays États-Unis. Habitants ville New York rendent victimes yon hommage mardi 11 septembre 2018 là. Zami téléspectateurs, n'a pas invité nous tout traiter brancher ces titres ça yo à camper l'autre information nous pral porter pour nous à soir dans téléjournal là. Et enfin, on a salué et puis remercier tout le monde qui branchait téléjournal sous télévision nationale d'Haïti. Dans la présentation à Soya, c'est Lini là, une fois encore, qui ensemble avec nous. On a démarré avec information et comme d'habitude, c'est dans la page météorologique là. Côté nous pral joindre toute prévision concernant le temps pour le pays d'Haïti. On suit avec Wilner Polidor. Merci Pasco, branché télévision nationale d'Haïti et c'est toujours un plaisir pour nous venir avec prévision météorologique. Et on a commencé à aller sous région Caraïbes là. Nous avons un masse d'air qui est humide, qui est instable, qui toujours a influencé conditions météorologiques là, je dis à sous région Caraïbes là. Et cela veut dire que encore on a battu nous avec quelques averses la pluie, surtout sous région sud pays d'Haïti parce que nous avons une persistance de humidité sous zone Sahara. Et aussi nous capables de vivre quelques averses sous le centre et la Tibonite, mais reste pays là c'est vraiment très 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 isolé pour jeudi. Nous parler pour capitale avec zone qui environne nous avons capitale aussi qui a en bas instabilité et humidité par rapport avec masse d'air là et aussi nous gagne quelques averses là puis avec l'orage qui toujours était possible sous capitale avec zone qui environne même si c'est quelques averses cap faible isolé et capable modéré sur certains endroit, mais Napton aussi, je dis à quelques averses la pluie avec l'orage sur capital avec zone qui environne l'eau. Toujours température la parité, je dis à jusqu'à 34 degrés la montée, la fait un peu chaud et la nuit là c'est 22 degrés Celsius. Nous avons la mer qui la mer est toujours agitée sous pays A, disons côte sud pays d'Haïti agitée, mais golfe de la Gonave et région nord, mais il peut agiter capitaine, il n'y a pas de problème pour naviguer, sauf que pour côte sud pays d'Haïti, il faut prendre pile précaution, non seulement la pluie, mais la mer n'a pas agité à faute sous zone Sahio. Et pour parler à Solomé-Clan, elle a couché jeudi à 6h55 et l'a levé le matin à 6h36 minutes. Mais pour Jean-Noté Dil, il y a là, Ouagan Isarak toujours trouvé lui au niveau de l'océan Atlantique là. Et Jean-Noël là, dès demain, l'a trouvé lui très près de Akantia. Ceci étant dit, disons samedi, vendredi soir à samedi, Haïti ou bien Grandes Antilles sont supposé concerné par situation cyclonique ça. Mais UHM a suivi évolution système ça et n'a pas population informée. Si toutefois la trajectoire ta kembe ou bien le tas de vie n'a informé de comment évolution ouagan Isaacie, mais nous toujours disons ça, les poko représenter une menace pour le pays d'Haïti, mais dans le jour qui vient, nous avons plus de précision concernant ouagan Isaac. Merci pour fidélité avec attention. N'a pas croisé demain pour notre page météo. Bonne fin de journée ou bonne soirée à chacun de vous.
Et puis, je nous dis, les amis téléspectateurs, président Assemblée nationale, Joseph Lambert, dans l'occasion FEMTI, deuxième session ordinaire, année législative, Chambre députée, a annoncé Sénat République l'emparé pour organiser séance pour ratification, déclaration politique générale, Premier ministre nommé Jean-Henri Séan. Mais pour qu'on y a, examiné dossier personnalité qui a gain pour former prochain gouvernement. On nous suive un extrait. La démission de l'ancien gouvernement et la nomination d'un nouveau ont imprimé une accélération de l'histoire nationale dans laquelle s'est volontiers inscrit le Parlement qui, dans le cadre de ses prérogatives, a invité les nouveaux ministres à déposer leurs pièces avant l'énoncé de la politique générale du Premier ministre. Si le processus de ratification traîne aujourd'hui encore, le retard n'est pas imputable au Parlement, toujours assujetti à la volonté du peuple, qui attend depuis trop longtemps une amélioration de ses conditions de vie. Le Parlement attend la finalisation des dossiers pour pouvoir sanctionner la déclaration de politique générale du nouveau Premier ministre. L'Assemblée des sénateurs s'engage de manière formelle à ne pas passer cette semaine sans recevoir la déclaration de la politique générale du Premier ministre Jean-Henri Séan. J'encourage le président de la République, Son Excellence Monsieur Jovenel Moïse, à convoquer à l'extraordinaire la Chambre des députés qui devra se prononcer au plus tôt, entre autres, sur la ratification de la politique générale du Premier ministre nommé, sur le projet de loi des finances 2018-2019, sur le projet de loi électoral. Et puis, député circonscription Mirbalais, Abel Descollines, critiqué retard qui gagne un processus pour mettre campé un nouveau gouvernement après démission gouvernement Jacques Guy Lafontaine. Parlementaire a dit qu'il n'y pas comprendre comment faire gagner arrêté qui nommait un nouveau premier ministre alors que il n'y pas rempli aucune condition. Nous extrait un micro Fedner confident avec Hervé Pierre. Un citoyen capable d'accepter que yo nomme le ministre et que le connaît préalablement, li pas respecté les prescriptions de la loi, li pas respecté les exigences constitutionnelles. Ces ministres, pour la plupart, yo choisi par des partis politiques qui pas rassurez-vous que moun sa ou respecté les critères constitutionnels. Donc nous autres, au niveau de l'opposition, au niveau du G16, c'est avec tristesse n'a constaté plus de 2 mois depuis le départ de Jacques Guy Lafontaine, nous encore, pays a encore dans l'attente de mise en place d'un gouvernement. Et puis, j'en sou dit, dans un grand titre autour, exécutif l'an convoqué pour mercredi 12 septembre, co-législatif l'an en cadre d'une session extraordinaire. Session extraordinaire, ça a consacré à ratification, déclaration politique générale, premier ministre nommé d'après Moniteur, 11 septembre 2018, là. Une session extraordinaire qui t'a doué durer jusqu'à ce que objet convocation, t'a fini. Et puis député avec sénateur réuni en Assemblée nationale clôturé deuxième session année législative lundi qui était 10 septembre 2018 là. Député circonscription Kinskoflan Alfredo Antoine qui t'a participé dans émission mise au point mardi 11 septembre là, exprimé insatisfaction sous travail Assemblée députée réalisé pendant période ça. On suivit un bout dans déclaration. Capable de dire bilan, il est très maigre.
au niveau de la Chambre des députés, surtout, nous conscients de ça. Mais ça remontait avec plusieurs problèmes qui étaient gagnés tout au long de la session. Ça. Maintenant, et c'est ça que expliquer, nous pas présenté bilan, j'en sais qu'on fait dans la séance de l'Assemblée nationale pour faire mes sessions. Bien entendu, bah, qu'on est pour qui raison que bureau Assemblée nationale là, pas de fait, traditionnellement, j'en ai fait. Et, mais, il y a un bilan, t'es distribué avec tout parlementaire. Et je crois que journaliste qui est accrédité au niveau parlement, il y a accès avec bilan de manière exhaustive que il y a là même. Et qui ça, selon vous, t'es marqué session ça pour débuter député Alfredo? En termes. Ou en termes d'activité, que ce soit pour voter loi ou bien des débats politiques, que vous estimez que nous fait pendant la session. Je pense que nous avons un bilan qui est un peu qui est très maigre. Ça n'avait dit pas fini du tout? Non, pas en termes de loi, qui de quantité de loi. Donc, ma dit que nous avons voté, je ne vais pas énumérer le nombre de lois, mais nous avons gagné près de 6 propositions, 6 projets de loi qui votaient et 2 propositions de loi, et plus l'autre activité parlementaire, législative que nous avons posée dans la question et nombre de commissions, travail qui fait en commission et travail de déplacement que différentes commissions avaient fait et des délégations parlementaires de commissions en cas de qui connaissent des problèmes sur le terrain et un peu partout dans le pays. Il y a différentes commissions et par exemple Belader, donc dernière commission qui était montée dans le cas qui était gagné entre la République dominicaine et Haïti à travers Belader sous frontière. Donc il y a une commission et il y a plusieurs et en chapitre, il y a plusieurs commissions qui sont toujours montées. Travail parlementaire au fait de travail de contrôle, de invitation ministre en commission, en salle des commissions, travail ça au fait de contrôle parlementaire. Il est fait, on dit que l'est pas suffisant. Moi, m'estime personnellement que n'est pas suffisant et nous devons faire plus. Et puis, on a enchaîné ensemble avec le président Sénat République, Joseph Lambert, qui souhaitait dossier Petro-Caribéa aider dans la bataille corruption. Pendant le saluer mobilisation citoyenne qui a fait dans le cadre de dossier ça, parlementaire a invité instance qui a penché sur dossier, agit dans sérénité, dans l'idée pour pas entraver le processus là. On suit. Depuis le mois de février 2018, l'Assemblée sénatoriale fait l'objet de critiques, de certaines critiques, pour avoir orienté un dossier vers l'institution chargée d'auditer la gestion des deniers de l'État. Aujourd'hui, aucune institution, aucun dirigeant, aucun citoyen ne peut faire l'économie de ce fer brûlant côté COP Petro-Caribéa. Il faut l'aborder avec un esprit lucide, pondéré, pour ne pas le noyer sous la vague des émotions populaires au risque d'échouer dans la recherche des informations vraies qui doivent identifier les dilapidateurs de ces fonds. Le pouvoir que nous confère la Constitution nous commande de bien remplir le rôle qui est le nôtre pour voir les institutions compétentes fournir au peuple les explications qu'il exige à bon droit. Désormais, Petro-Caribé constitue une affaire nationale qui interpelle tous et chacun. Petro-Caribé doit être considéré comme l'aune à laquelle se mesure la civilisation haïtienne contemporaine selon le traitement que nous aurons décidé de lui accorder. C'est aussi un dossier qui peut faire le prétexte d'un nouveau contrat social qui tiendra compte de la corruption à combattre,
de la justice à renforcer et d'une nouvelle gouvernance à instaurer. Kounya nous prenons dans la région Nord-Pays, ensemble avec habitants dans la zone Kankok et Limbé, qui exprimaient leur content par rapport au travail qu'a réalisé dans le cadre de la caravane Changement. Habitants ont souhaité travailler si continuer. En suivant papier avec Richardson Jourdan et puis Pams Jean-Baptiste. Travail caravane changement a continué dans le département Nord-Pays, précisément sur route Kankok à Kalembe. Concernant route Kankok là, pour qu'on y a, c'est asphalte qui a été sous lit, qui va permettre aux habitants qui vivent dans la zone là, rader un souffle par rapport à la poussière et puis la boue qui te connaît au problème. Technicien dans la compagnie Remix a travaillé la journée coule en nuit pour finir avec asphalte sur toute route Kankok là. Pour route Limbea, c'est terrassement qui a fait sous lit grâce à plusieurs matériels. Travaux publics, transport, communication, mettez disponible pour faire travail. Sans compter canal, cap fouillé sur route là, une façon pour bailler de l'eau à direction. Travail ça yo cap réalisé sur route Limbea, gain pile importance pour population qui te soif démarrage travail. Travail ça yo cap fait sur route Kankok à Limbea, gain awe à caravane changement qui sont une stratégie administration Moïse là pour bailler en pile zone dans pays a un autre visage. Merci Richardson et Pumps. Nous prenons parler éducation Kounian pour nous faire connaître un cadre GFOP pour mise en œuvre secondaire Renovéa. Responsable ministère éducation nationale et formation professionnelle yo annoncé yon ensemble disposition pour épreuve anticipée dans secondaire 3 avec épreuve obligatoire pour examen fin d'études secondaires yo. Directeur général ministère Meunyol Jeune fait connait yo déjà prend toute disposition pour responsable ak acteur yo appliquer mezi sa yo dans l'idée pour faciliter réussite programme ça. Dans le micro, Rachel Saint-Fort avec Fresnel Toussaint en suivre. Les élèves du secondaire 3, selon la série considérée, yo gen pour passer épreuve anticipée dans la discipline. Par exemple, sciences de la vie et de la terre, SVT, yo gen français, créole, anglais, espagnol. Sciences, mathématiques, physique, SMP, yo gagné français, créole, anglais, espagnol. Sciences économiques et sociales, SES, yo gagné français, anglais, espagnol, créole. Et enfin, pour lettres, langues et arts, LLA, yo gen français, biologie, géologie, physique, créole. Quant aux élèves du secondaire 4, candidats à eux, ils ont participé dans l'examen de fin d'études secondaires et ils ont pris le composé dans la matière à eux, toujours selon la série que vous avez choisi. Pour sciences de la vie et de la terre, SVT, il a proposé dans mathématiques, histoire, géographie, physique, chimie, biologie, géologie, philosophie. Pour sciences mathématiques, physique, SMP, il a proposé dans mathématiques, histoire, géographie, physique, chimie, philosophie, biologie, biologie, géologie. Pour sciences économiques et sociales, je vais le proposer dans mathématiques, histoire, géographie, économie, philosophie, biologie, géologie, physique, chimie. Pour lettres, langues et arts, LLA, je vais le proposer dans histoire, géographie, anglais, espagnol, philosophie, arts et musique, mathématiques, chimie. Pour les écoles qui n'ont pas pu mettre au pas, c'est-à-dire qui n'ont pas appliqué programme secondaire
rénové pour diverses raisons. Ministère éducation nationale baille un délai de grâce de 2 ans. Toujours dans le sujet, ça, il y a un directeur enseignement secondaire dans le ministère éducation nationale et formation professionnelle, Maxime Mesilias, qui expliquait que il y a plusieurs qualités matières dans le secondaire rénové, tant que matière obligatoire et matière concentration. L'hypothèse précision sous matière qui est évaluée dans l'épreuve anticipée, tant que langue et matière qui est évaluée dans l'école, tant que informatique et éducation. Pour citoyenneté. Maxime Mesilias expliqué dans le niveau ministère, il y a un programme accompagnement pour l'école dans le cadre secondaire rénové. Tant que c'est une sensibilisation qui visait permettre aux inspecteurs de faire travail yo, et des professeurs utiliser le programme yo dans la classe et puis appliquer le module accompagnement pédagogique pour élèves. L'abdino plus. Dans le secondaire 3, et secondaire 4, travail technique, tu es voué ministère, tu fais des choix à partir d'un ensemble de matières que nous qualifions de matières obligatoires et de matières de concentration. Les matières de concentration, tu as des matières qui sont spécifiques à la série que tu as choisi ou que tu as orienté là-dedans. Donc, comme ça, nous avons une dizaine de matières, à part les langues qui vont être évaluées et comme ils peuvent participer en secondaire 3. En secondaire 3, pour les séries Sciences de la vie et de la terre, il va y avoir aussi, au nombre des disciplines qui sont de concentration et obligatoire, l'éducation à la citoyenneté et l'informatique pour le moment que les écoles pourront assurer l'évaluation chez elles. Donc, les épreuves, comme les cours, si vous voulez, comme l'éducation à la citoyenneté et l'informatique, c'est des cours, ça, ok, ils sont capables. Nous capable d'évaluer dans l'école là et le ministère a compté sous notre ça autour pour capable compléter quantité matière que notre sous quantité matière timonio et gagné pour secondaire 3. Donc il y a au total 10 disciplines. Nous gagnons par exemple pour les sciences de la vie et de la terre, discipline de concentration qui les sciences de la vie et de la terre lui-même, qui la chimie, OK, la physique, ensuite des disciplines obligatoires comme les mathématiques, l'histoire et la géographie. Et l'éducation à la citoyenneté, l'informatique, l'anglais, français littérature, espagnol, créole. Alors nous sommes dit à l'heure que pour série ça, épreuve obligatoire à anglais, français, espagnol, créole, et épreuve y a réalisé dans la salle de classe, dans l'école même, y a informatique et puis éducation à la citoyenneté. Pour finir avec dossier ça, on a profité fait connaître directeur cabinet ministre éducation nationale et formation professionnelle en Jackson Pleto dans intervention PAL précisé ministère a nommé divers enseignants à travers pays dans l'idée pour permettre programme secondaire rénové atterri l'a précisé dans le temps de section A, section C, section D. Je dis à Pagan Baye, ça encore dans le système, non, on a parlé de préférence de série. Vous regardez une série qui est SVT, c'est Sciences Vie et de la Terre. C'est-à-dire son série lui-même qui est concentrée totalement sur des matières tant que biologie, géologie, chimie. Un petit monde qui sorti fin faire filol ou fin faire secondaire 4 li dans série ça option li ka aller agronomie, il ka aller faculté de médecine, ka aller faculté des sciences, mais section ça c'est les sections dès longtemps, mais je dis à les relé série SVT. Gon série tout c'est SMP, c'est mathématiques physique qui était une section c'est longtemps, je dis à c'est série ça qui adressé à des matières tant que mathématiques physique et ti moun ça va regarder va trouver que soit faculté des sciences même tout agronomie ou bien l'école normale supérieure côté fait sens. Gon l'autre série c'est série sciences économiques et sociales, bon li même pas de gain équivalent dans le temps dans ce système non, mais li permettre ti moun nan orienter vers des matières tant que sciences économiques ou ka jwenn li dans faculté de droit dans sciences économiques ou ka jwenn li dans de tibaye comme ça, mais c'est élément que mais yo met accent en pile sur économie, histoire, géographie et gen l'autre discipline qui enseigne, mais matière de socle, c'est vraiment économie pour ti moun nan pénétrer vraiment dimension économique et qui permettent de participer dans le développement au pays. Et quatrième série carité son série lettre langue A, ça veut dire c'est ti moun qui vraiment gen des compétences surtout dans matière littéraire qui maîtrise ta coup baye philosophie langue yo laisse à tout ka jeune dans l'autre faculté ta coup linguistique, mais c'est orientation.
ministère de l'Éducation nationale, l'y nommé, mes amis, 3488 enseignants pour l'école secondaire seulement. Ça veut dire qu'il pourra le faire économie, pourra le faire histoire de l'art, pourra le faire tout balan à travers le pays. Nous, on tableau, on a toujours partagé avec. L'instituteur, ça veut dire que le monde qui a fait pour de la première à la deuxième année, à la sixième année fondamentale, l'y nommé 1120 monde qu'il a à travers le pays. Ça veut dire en tout, nous avons 5608 enseignants de secondaire avec et fondamental de premier cycle qui nommé qui a rentré dans le système pour améliorer, pour installer totalement ça nous relé secondaire rénové et développer toutes les compétences dans l'école fondamentale là pour les petits arrivés dans le secondaire n'est pas totalement perdu. Moment arrivé pour une première autre pause, amis téléspectateurs, n'a tourné tout de suite après. Merci parce que nous toujours été branchés. Bienvenue dans deuxième tranche en journal ça. Haïti face au défi de la démocratie. C'est sous thème ça, responsable film Politico-Tech organisé une conférence débat dans l'université Kiskeya mardi 11 septembre 2018 là. Activité si là qui te réunit diverses personnalités dans la société a, t'es occasion pour y discuter sous problèmes sociopolitiques PIA d'après directeur général Politico-Tech là, Rudy Stanley Pen. D'après Rudy Stanley Pen, je t'ai parlé ça qui déroulait sous valet avec un importance démocratie à nos sociétés, hein? Rentrer dans le cadre d'une série d'activités y a réalisé pendant ce maintenant. En suivant extrait dans déclaration. Haïti face au défi du développement. C'est ça qu'on fait aujourd'hui à l'ITE et c'est un public qui, nous sommes capables de remarquer nous-mêmes, le public là, il fait le déplacement et débat li té de qualité, c'est une discussion de qualité parce que moun yo nous yo travail pour yo préparer intervention hein, parce que yo ouais nécessité pour débat ça fait. Conférence jodi a li té gagné quatre intervenants, c'est Pierre Buteau, Marie Camel, Paul Austin, ensuite té gagné Maître Watson Bertrand et puis l'ambassadeur Daniel Suplice. Mais té gagné responsable communication université Kiskeya qui té souhaité bienvenue tout. Passe là qui était contextualisé un débat ça conférence ça qui gagne une grande campagne que nous relé démocratisation côté que moun yo yo capable partager des paroles intéressantes que yo croisé mais que yo même yo dit qui gagne rapport avec démocratie son hashtag donc yo capable utiliser le sur Twitter, Facebook, Instagram pour partager des paroles. Suivre page Politico-Tech là tout parce que grand pile activité que nous fait dans bureau a dans bureau Politico-Tech là des live vidéo que nous fait avec des étrangers et des spécialistes haïtiens qui vivent l'autre côté. Des mondes qui réfléchissent sur la démocratie dans le pays d'Haïti. Donc, nous faisons de live vidéo, de live et, sur Facebook ensemble avec eux. Et donc, vidéo ça est disponible. Il y a qui commence disponible. Nous avons juste suivre la page Politico-Tech là et puis après, entrevue ça. Journal à poursuivre ensemble avec député Saint-Michel de l'Atalaïlan, Myriam Amilka, qui dénonçait comportement la police dans le commissariat zone nan, qui t'a mal agi face à quelques moun dans la population. Palmenté a demandé justice pour parents victimes sa yo. L'abdi-nous plus. Saint-Michel de l'Atalaï, gagné un événement malheureux qui a développé. Côté la première section Platana, c'est la première section commune non, Platana, Kazek section arrêté trois citoyens dans la que li déféré devant le tribunal de paix Saint-Michel. Et Mounsayo, yo te nan commissariat ville Saint-Michel de l'Atalaï. Malheureusement, information yo, c'est que gagné le policier qui cantonné dans le commissariat Saint-Michel de l'Atalaï, yo tellement bat moun yo, gen yon nan yo qui c'est Jean Nixon qui est malheureusement perdu la ville en dedans commissariat. Et information qui circulait, qui arrivait jeune nous fait quoi que, et policiers au prenant Jean Nixon, yo allé avec lui dans le centre de santé ville là et yo la guéli en dedans en centre de santé a tout mouri. Et par la suite, population en famille victime nan, qui frustré et gain de événements qui a déroulé au niveau de commune nan, côté jodi an la gagné
en pile cartouche qui a tiré et population malheureusement continue victime. Encore gagné un citoyen dans la ville là qui recevoir cartouche et en urgence vice-délégué démissionnaire commune Bellom Emmanuel obligé fait transporter en urgence sous commune Gonaïves pour prendre soin que cal nécessité. En septembre 1988, en septembre 2018, ça fait 30 l'année depuis bandit Axam t'est rentré dans l'église Saint-Jean Bosco côté où t'es assassiné Yon Ban Moun. 30 l'année après, député 3e circonscription Port-au-Prince qui élu en Babanier famille Lavalas continue à demander justice pour parents victimes yo. Lieutenant micro Fedner confident avec Hervé Pierre. Après le départ de Jean-Claude Duvalier, malheureusement, le régime Duvalier n'a pas formé un CNG qui était pour nous et qui n'a pas permis que 30 septembre 1988 n'a pas débouché sur le véritable massacre qui était fait dans l'église Saint-Jean-Bosco. Donc nous-mêmes, en tant que militants politiques et en tant que parlementaires qui toujours campé beaucoup de population, dans toute revendication, nous disons. Jeudi 30 septembre, jeudi 11 septembre, non, sont dates que peuple haïtien pas de jamais oublier dans l'histoire. Même Jean peuple chilien, pas jamais oublier dans l'histoire, coup d'État contre Salvador Allende. Même Jean, au niveau de l'Église catholique, avec l'assassinat de Monseigneur Oscar Romeo, le pape jamais oublier date ça dans l'histoire. Même Jean, aux États-Unis, peuple américain, pas jamais oublier date noire et rouge dans l'histoire. Et nous même en Haïti, nous dit date ça nous pas doué jambe blier. Voilà, en septembre qui c'est une date qui tristement célèbre pour plusieurs pays. Et puis l'autre information dans le journal ça, un dirigeant l'église de Dieu les envoyés Mackinson Dorilas qui répond question commissaire gouvernement tribunal première instance Kouadebouquea Yves Jean-Noël sous mode prédication lieu à fonctionnement l'église lia. Mackinson Dorilas qui présentait tête li comme un prophète t'est accompagné à plusieurs non fidèles l'église lia. Stéphanie Charles et Michaud Joseph a présenté nous un reportage sous dossier ça. Jean Saté annoncé, Mackinson Dorilas, accompagné à Cavocal, semblier fidèle l'église des envoyés qui t'a fait déplacement, allait répondre question commissaire gouvernement tribunal première instance Kouadebouquea. Fonctionnement l'église là, modèle prédication avec message qu'a véhiculé yo, mode traitement la prescrit pour diverses maladies, c'est principales questions commissaire Yves Jean-Noël t'a posé. Nous t'inviter pour nous garder avec lui et pour nous voir qui ça vient amener comme document d'abord et ensuite en quoi approche palio capable de nuit santé population à ne pas oublier en matière de conduite de politique sanitaire du gouvernement, ça incombe au ministère de la Santé publique. Et en matière de la conduite de la politique pénale du gouvernement, ça incombe au ministère de la Justice. Et il y a un transfert de compétences au commissaire du gouvernement qui l'a comme là pour capable et mettre en application politique pénale gouvernement. Mackinson Dorilas déclaré li pas pasteur et puis li pas diriger aucune l'église. Li seulement identifié tête li comme un prophète, yon envoyé de Dieu qui possédait pouvoir guérison. Yo t'ai invité m'parquer jodi a pou te konnen ki bon j'ai l'autorisation en tant que prophète pour fonctionner. Fidèle yo pas fait Bruno, m'pa ka répondre parce que ça quand dem nan faut passer tout bagage sans lettre ban autorisation. M'a présenté excuse-moi à travers le monde si m'ta di un bagage qui dérange moun. M'comme kon ça. Je vous demande excuse à travers tout le monde qui a attendu. Si vous avez dit que dit qui dérange moi. Mackinson Dorilas a gagné pour rencontrer lundi 17 septembre 2018 là, autorité ministère Kilt sous dossier enregistrement institution la dirigée, qui d'après lui par l'église, mais plutôt yon temple. Mais bien avant audition, prophète la promet, commissaire gouvernement Kouadebouquea Yves Jean-Noël, la présenté licence qui autorisait le fonctionner à temple dans un mois. Moment arrivé pour nous prendre l'autre pause dans le journal ça, restez branchés. Et comme d'habitude, dernier tranche en journal là, on a t'emmené dans l'actualité en l'autre bord de l'eau.
Habitants ville New York dans pays États-Unis rendent hommage à environ 3000 moun qui étaient morts dans l'attentat en septembre 2001. Hommage ça rend pendant une cérémonie en forme rituelle sous site Tour Jumelio qui vini yon mémorial. En bas yon ti l'appli ak yon temps marré, yon foule moun proche victime yo avec policiers, pompiers ak plusieurs responsables te réunis pour marquer 17e anniversaire attentat ça. Parmi responsables qui étaient présents dans la cérémonie hommage ça, gen gouverneur New York lan, Andrew Cuomo, ambassadrice États-Unis dans ONU, Nikki Haley, ak magistrat New York lan, Bill de Blasio. Toujours dans l'actualité en l'autre bord de l'eau, Caroline du Nord et Caroline du Sud a préparé pour recevoir ouragan Florence. D'après autorité américaine, il y a une possibilité pour ouragan ça frapper fort pendant passage. Le gouverneur virginien Ralph Northam expliquait Vanyo qu'a atteint 220 km/h, mais c'est pas ça qui prend le plus gros problème non. C'est plutôt inondation yo qui a la cause moun perdu la vie yo. Agence fédérale gestion situation urgence FEMA prévoit ouragan Florence capable provoquer montée l'en mer à tout. Et puis pour nous finir, nous fait connaître conseiller sécurité nationale américain John Bolton menacé pour sanctionner coup pénal international dans ce pays. Décision ça a gagné avec enquête sous citoyen américain dans dossier crime la guerre qui t'a fait dans le pays Afghanistan. Il y a un reportage. Conseiller sécurité nationale américain John Bolton menacé coup pénal international CPI pour le sanctionner s'il a persisté dans mener enquête sur citoyen américain dans dossier contre crime la guerre qui t'a fait dans pays Afghanistan. John Bolton rejeté légitimité institution qui pour lui-même déjà pas existé, pays États-Unis pas jamais ratifié statut CPI qui créé dans l'année 2002 contrairement à 123 autres pays dans le monde là. Département d'État américain a décidé de fermer un bureau délégation palestinienne dans Washington. Coup pénal international, bon côté pâle, déclaré, li agi dans cadre légal et statut bien défini, tout pendant le temps rappelé. Président Jovenel Moïse convoqué pour mercredi 12 septembre en co-législatif lan à l'extraordinaire pour pencher sur ratification déclaration politique générale Premier ministre Nouméa Jean-Henri Séan. Députés et sénateurs réunis en Assemblée nationale hier lundi 10 septembre pour clôturer deuxième session ordinaire année législative là. Habitants dans zone Concord-Kaklimbé dans région Nord pays a exprimé contentement yo par rapport à travail qu'a réalisé dans cadre caravane changement. Dans cadre d'effort pour mettre en place secondaire rénové, responsable ministère éducation nationale et formation professionnelle yo annoncé yon ensemble disposition pour épreuve anticipée dans secondaire 3 ak épreuve obligatoire pour examen fin d'études secondaires. Et puis jeudi 11 septembre, nous fait 17 l'année depuis un gros attaque terroriste frappé pays États-Unis. Habitants ville New York, ren victime yo yon hommage jeudi mardi 11 septembre 2018 là. Merci tout le monde qui t'a suivi. Deuxième sortie journal là pour semaine ça dans présentation. C'était Liné là. Nous remercier toute équipe là qui est toujours mobilisée pour y rendre possible. Et nous souhaiter nous toutes une très bonne fin de soirée sous Télévision Nationale d'Haïti. Au revoir.